Ben, Romain, évidemment, la question c'est est-ce que tu te sens prêt avant ce gros match à Sprimont pour lequel tu vas remplacer Nicolas ? Oui, je me sens prêt, je me sens concentré pour demain, en forme à 100% pour se donner à fond. Ok, c'est évidemment une responsabilité parce que c'est un match très important. On sait que Nicolas est le titulaire et qu'il n'a jamais démérité. Donc, il n'y a pas trop de pression sur tes épaules, ça va ? Je préfère pas y penser. Je préfère me concentrer sur le match de demain et ce genre de choses-là, penser après et continuer à travailler. Vous en avez parlé avec les autres joueurs, avec les défenseurs, avec l'entraîneur, avec Henri, ton entraîneur particulier ? Oui, on a parlé surtout pour choix détendu et à 100% pour demain. Et voilà, et préparer au maximum ensemble le match. Tu as fait quelques apparitions quand même depuis le début de la saison. Ça ne s'est pas trop mal passé. Satisfaisant. On va dire que c'était pas super, mais il y avait des bonnes choses comme des mauvaises choses. Et il faut apprendre et essayer de ne pas penser aux erreurs de ce qui s'est passé. Bon, à la limite, profiter des erreurs, ne plus les recommettre. Voilà, tout à fait. Ok. Alors, on sait que c'est un match évidemment très très important. Hein, l'écart est quand même déjà grand. On ne peut pas perdre demain. À la limite, il faudrait même, si possible, gagner. Gagner, garder le zéro et avoir les 3 points. C'est le point positif. C'est vrai qu'on a une longueur de retard. Il faut la rattraper et on va tout faire pour, en tout cas. Et quel est l'esprit dans le groupe ? Motivé à 100% pour gagner, avoir les 3 points et faire un excellent match.